Hello les gens, c'est l'Odologue, j'espère que vous allez bien. Écouter moi ça va super, mais aujourd'hui les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. Comme vous vous en doutez probablement, puisque je fais énormément de Skywars, surtout en solo, j'ai déjà accumulé beaucoup de kits et beaucoup de perks. Sauf que, voyez-vous, cette vidéo, c'est la dernière vidéo que je tourne sur mon PC actuel. Et pour finir en beauté ce PC actuel, j'ai pour projet de finir toutes les perks. Alors, je les ai toutes, sauf que il m'en manque une. Qu'est-ce que c'est? Hanoi All Might. Je viens de l'avoir. Ok, alors, je m'étais pas rendu compte, mais entre-temps, j'ai fait un Soulwell qui m'a rapporté la perk. Donc, en fait, je viens d'économiser 50 000, quoi. Bref, du coup, l'heure est moins grave, mais elle est quand même importante, puisque du coup, ça va me permettre encore plus de maxer cette perk. Et en fait, du coup, pour maxer cette perk là, voilà, exactement, c'est ce que je voulais souligner. Il me faut 25 000 machin truc coins. Alors, vu que je suis à 1900, du coup, vu que je viens d'upgrade tout ça, eh bien, nous allons tout simplement faire beaucoup de Skywars sur probablement la même map pour gagner plus de coins. J'ai déjà activé sans le faire exprès, puisque je suis un talentueux, un booster x2 de 6 heures, alors que je voulais en mettre un d'une heure. Cherchez pas à comprendre, je me suis bien gouré, ça, foutez-vous de ma gueule dans les commentaires, allez-y. Bref, nous allons donc essayer d'obtenir un maximum de coins pour terminer en beauté ce petit allié numérique 51. Et puis, ne vous inquiétez pas pour ceux qui se demandent, oui, je ferai un unboxing, premier unboxing d'ailleurs que je ferai sur ma chaîne, de mon nouveau PC. Et puis on verra un petit peu les benchmarks, c'est-à-dire ce que ça donne niveau puissance, hein. Peut-être pas que sur Minecraft, parce que avec Java, Minecraft, on peut se le dire, c'est peut-être pas le meilleur des trucs pour juger un computer. Bref, je vous laisse, et puis je vous souhaite une bonne vidéo. A tout de suite. Ok, cette fois-ci, on se retrouve donc sur la map Strata, je crois que c'est celle-ci. Et donc, nous allons essayer d'obtenir un maximum de kills, si possible. J'ai pris le kill Knight, donc il nous faut juste des blocs et on va rusher les gens. Hop là, c'est parti. Alors, on va faire un pont. Bon, ma connexion est pas au top de sa forme, donc ça risque de bugger un petit peu niveau connexion, mais c'est pas grave. On fait avec, hop, je continue la route. Voilà, hop, ça dégage. Voilà, toc, ok, on est bon, on continue donc sur notre lancée. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit monsieur devant qui se ramène. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire, ce petit monsieur? Ok, il m'a l'air... Oh, cette chance. Cette chance. Pour notre stuff, franchement, on est bien sorti. On va vite fait s'équiper un petit peu. Hop, on prend l'Ender Pearl quand même. Ok, franchement, on s'en tire bien. Pour le début, on... Ça va, c'est tranquille. On va placer un petit skeleton. Peut-être je verrai si je remets des shaders, parce que là, je les avais désactivés, du coup, je pense que ça se voit. Mais peut-être les remettre, ça pourrait être sympa. Alors, toi, je suis pas full vie, mais on va quand même essayer de te soigner un petit peu. En termes de kill. Voilà, bah, c'était assez complexe, hein, on peut se le dire. Mais bref, ça nous fait des coins, c'est l'essentiel. Alors, il y a quelqu'un en dessous, il utilise... Enfin, non, c'est pas une technique, puisque... libre à soi de choisir où prendre ses coffres, mais vu qu'il y a des coffres en bas sur cette map, si vous ne le saviez pas, bah maintenant vous savez. Voilà, il a été caché ici, le petit salaud. Hop là, voilà, ça dégage. Hop, on va remonter vite fait. Est-ce qu'il a pris les coffres? Oui, bah, ça m'étonnerait pas que oui. Donc on va remonter. Hop. Ouais, mais non. Ok, c'est bon. C'est bon, on s'en est sorti. Je balance une Ender Pearl pour sortir vite fait. Ça, oui, voilà. Nickel, ok, bah on s'en est sorti pour une première game. Je vous retrouve tout de suite après. Ok les gens, cette fois-ci on se retrouve donc sur la map Shire. Voilà, c'est la map des tentes, c'est comme ça que tout le monde l'appelle presque. Et nous allons essayer un petit peu de faire plus de kills, vu que c'est quand même une bonne map pour les kills. Donc je pense qu'on va essayer un petit peu de la spammer aussi cette map. Vu que je suis MVP plus, je peux choisir la map que j'ai envie de jouer. Ça c'est quand même plutôt pratique. Hop, on avance. Alors, bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Hop, bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, mais voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que, en parlant des perks, justement, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Bon, là, celle-ci de perks, je l'ai déjà au max. C'est tank, en fait, dès que je vais faire un kill, ça va permettre, en fait, d'avoir un effet, strength, c'est-à-dire force. Pendant, je crois, 6-7 secondes, donc ça me permet
que si j'enchaîne des kills, je les enchaîne très très vite. Et puis du coup ça me permet de les faire. Regardez là par exemple, hop, lui voilà, lui il est venu un petit peu trop tôt. Du coup j'ai pu lui balancer, enfin j'avais encore mon effet de force. Et puis bah du coup ça l'a quand même assez bien anéanti disons. C'est un petit peu près ça l'effet qu'il y a lorsque ça se passe comme ceci. Donc nous sommes maintenant contre quelqu'un, pas très étonnant vous me direz. Voilà. Ok, on se retrouve donc encore dans une game donc sur la map Shire. Comme je vous l'ai dit, on va essayer un petit peu de la faire un petit peu beaucoup, on va dire ça comme ça. Hop. Alors, comment tuer ce petit monsieur? On va attendre qu'il descende ou alors sinon on va essayer de monter. Ça me paraît difficile à atteindre. Non, ça va être difficile d'atteindre ça. Non. Est-ce qu'on a des blocs? Oui, on a des blocs. Yes. Et bah voilà. Il n'y avait qu'à demander. Alors, ensuite, toi. Voilà. J'ai eu peur pendant un instant. Je vous avoue que j'étais pas trop serein face à mon destin. Alors, toi. Comment je vais faire, toi? Hop, on passe. Tranquille. Voilà, nickel. Est-ce qu'il avait du stuff intéressant? Oui, bien. On va prendre sa pomme d'or quand même dans la main. Ce serait bête de rater une occasion comme ça. Alors, le Blaze n'est pas à... Le Blaze ne peut pas être à celui qu'on a tué. Alors, peut-être qu'il était à lui. Je sais pas trop. Hop. Je sais pas, en fait, du coup, vu qu'il n'y a plus de Blaze. C'était peut-être à lui, là. X, dis plus de truc. Bah, il est passé où? Ah, il est à l'intérieur. Ok, alors, niveau lag, ça va être assez chaud, là. Ok, on va se cacher ici, c'est ma technique secrète. Hop. Quand je lag, voilà, c'est ça. En fait, il faut se coller ici, parce que ici, on pourra pas aller plus loin, et logiquement, si on tape devant, on devrait pouvoir le taper lui. Donc, c'est à peu près la seule technique que j'ai réussi à trouver. Quand je lag comme ça, ça me permet de bien pouvoir m'encastrer. Hop. Genre comme ça, par exemple. Voilà. C'est bon, on l'a eu. Et toujours reculer, d'ailleurs, quand on est là. Parce que sinon, quand on se fait caber, on pourrait avancer. Donc, c'est un petit peu près ma technique. Ok, on switch sur la prochaine game. Et re, les gens, on se retrouve donc une heure après environ. J'ai vraiment farmé comme pas possible, mais c'est bon, j'ai les 25 000 coins, donc techniquement on va pouvoir s'acheter notre perk et donc avoir toutes les perks au niveau maximum en solo Skywars, plus tous les kits au niveau maximum, puisqu'il n'y a pas de niveau techniquement. Donc solo perks, c'est Hanoi Oh My, donc normalement c'est le niveau maximal. Hop, on achète, et oui, c'est le niveau maximal. J'ai enfin toutes les perks qu'on puisse avoir en Skywars solo. Normalement, il devrait y avoir un achievement, mais j'ai pas l'impression que ça me l'ait unlock. Je sais pas, je sais même pas s'il y a un achievement pour ça. Non, il n'y a pas d'achievement pour ça. Bref, en tout cas, c'est bon. On l'a fait, les gens. C'était une bonne occasion pour terminer en quelque sorte, j'ai envie de dire, mon PC. Voilà, donc rip le PC, l'Alienware de Leozolok. Ne pensez même pas faire un compte Twitter, je ne sais quoi, le PC de Leozolok. Comme Zélo a eu, n'y pensez même pas. Bref, enfin, voilà quoi, c'est... C'est assez bien, ça fait plaisir d'avoir réussi à maxer ça, donc ça doit faire je sais pas combien de temps que je joue au Skywars, mais c'est bon. 12 000 kills déjà en Skywars, ouais, ça fait beaucoup. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs le texture pack peut-être que je vais le garder dans mes futures vidéos, il est assez sympathique. Futures vidéos qui seront donc moins laguées, où je pourrais mettre donc des plus gros texture pack et tout, rack en 1080p, parce que là je rack en 720p. Pour pas que ça lag avec les textures, enfin les shader pack et tout, mais donc ça va me permettre de faire de la meilleure qualité. Ça va être vraiment bien, je vais pouvoir stream en meilleure qualité aussi, mais bon, ça il me faudra la co aussi, donc déjà
pour les streams. Je vais essayer d'avoir des streams en 4G sympathiques, genre 480p déjà, ce serait bien pour moi. Parce que j'ai vraiment pas une bonne go, mais bref. Ça, on aura le temps de le voir plus tard. Aussi, pour ceux qui se demandaient quand est-ce qu'elle sort la série Skyblock que t'avais annoncé, bientôt, peut-être pas sur Yazacraft. J'aimerais bien faire un truc peut-être un peu plus près de vous, mais bon, on verra bien. Ce que je trouve comme idée, mais j'ai déjà ma petite idée en tête, donc je vous tiendrai au courant de tout cela quand ça arrivera, mais bon, ça viendra un petit peu plus tard, je pense. C'est pas pour tout de suite. Ce que j'aimerais bien faire aussi, peut-être ce serait une série en solo survie, en fait, ce serait sympa. Alors, je sais pas, dites-moi votre avis là-dessus en commentaire. J'en ai pas trop d'idées, en fait, si ça vous plairait ou pas, si vous, parce que bon, c'est sûr que s'il y a 5 personnes qui se mettent à regarder, ça me sert pas non plus trop à grand chose de passer masse temps à faire ça, même si ça me plaît beaucoup. Voilà quoi, je sais pas si ça serait ouf. Donc parlez-moi en commentaire. Moi je vous souhaite de bien vous porter, de passer une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis bah du coup ouais, portez-vous bien les gens, c'était Léo The Luck pour une dernière fois sur ce PC qui m'aura vraiment énormément servi. Il aura quand même connu toute ma chaîne YouTube. Voilà, grosse dédicace à mon PC. Voilà. Allez, sur ce les gens, à très bientôt, c'était Léo. Chou.